Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyon Scribble. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Yeah! Attention, c'est plutôt si tu veux t'abonner. Clique tout simplement là-dessus. Abonne-toi. Active également la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs. Oh, ça me fait un peu bizarre de vous le dire, mais il faut que quelqu'un vous dise des choses comme ça pour vous réveiller un peu. Est-ce que vous savez que quand un sorcier va dans le monde des ténèbres, le premier rapport qu'il donne au diable, c'est le rapport de sa famille. Telle personne dans la famille, tel ou tel jour va se marier, telle personne, tel ou tel jour va voyager. Celui-là va faire comme ça. Celui-là va faire comme ça. Voici ce qu'il a fait aujourd'hui. Voici ce qu'il a fait là. Et il dit tout sur vous. Et eux, dans leur camp, ils vont faire quoi? Comploter contre vous pour vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous devez vous marier, vous allez voir qu'ils vont faire des programmes pour pouvoir combattre ce mariage. Dans toutes les dimensions. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu de ce dont nous sommes en train de parler. Dans la vidéo qui a précédé, nous vous avons dit que le diable s'intéresse à vous. Et comment il va s'intéresser à vous? C'est en mettant, en cherchant à avoir des informations sur vous et en passant bien évidemment par un de ses agents ou plusieurs agents qui seront auprès de vous. Et ces agents vont lui rendre un rapport. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Et ce rapport vous concerne, vous. Tout sur vous, vos projets. Ça veut dire que si vous êtes seul dans votre maison et il n'y a pas d'autres personnes par qui ils peuvent passer. Par exemple, vous êtes célibataire, vous êtes seul chez vous, dans votre appartement. Ils vont se transformer en chat, ou bien en cafard, ou en fourmi, pour venir entendre tout ce que vous dites, ou savoir tous vos projets. Même au travail, le diable va mettre ses représentants là-bas. Ou pourquoi? Parce qu'il veut vous contrôler. Ou encore parce qu'il veut vous combattre. Parce que c'est ça, nous sommes en guerre. Et c'est cette guerre-là qui se manifeste ainsi. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce de quoi je suis en train de vous parler. Ça veut dire que le diable peut contrôler le monde, peut contrôler les humains, ce qu'ils font dans toutes les dimensions. Puisqu'ils ne peuvent pas, il ne peut pas être partout comme Dieu, alors il va mettre ses représentants là-bas, dans votre famille, qui vont lui faire des rapports. Dans le quartier, rapports. Il y a les princes qui sont établis sur des villes. Des princes des ténèbres. Ça veut dire que tu arrives dans telle ou telle ville, c'est un démon géant qui domine la ville. Et c'est lui qui fait le rapport. Ou on lui fait des rapports et lui, il communique toutes les informations à Satan. Est-ce que vous comprenez ce de quoi nous sommes en train de parler? C'est grave, hein? C'est très grave. Et même, il va plus loin en positionnant quel genre de personnes à la tête des pays des satanistes. Est-ce que c'est fou? Là, tu as dit, je comprends. Ces satanistes-là auront quel rôle selon vous? Ces satanistes-là ne sont pas venus, ils ne seront pas là pour blaguer. Durant leur vie, leur existence, ils vont prendre des décisions contre valeur, contre la parole de Dieu. Ils vont instaurer des lois pour pousser les gens au péché. Pour les maintenir dans le péché et les conduire plus tard à l'enfer. Et ce sont ces décisions-là que les gens vont prendre. Ça va vous surprendre. Vous serez étonné pourquoi l'homme se marie avec des animaux. Vous serez étonné pourquoi il y a ce genre de choses. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est le diable qui vous a étudié d'abord, qui a su tout ce que vous faites, afin de vous proposer des trucs qui vont vous conduire où? À l'enfer. Voici pourquoi le diable positionne des agents dans votre maison, dans vos quartiers, même au boulot, partout. Donc, si vous êtes chrétien et que vous échappez au contrôle de Satan, il essaiera par tous les moyens de savoir ce que vous faites. Puisque vous avez maintenant des armes et que vous pouvez le combattre.
va chercher des voies de moyens pour entrer chez vous. Waouh! Mes frères et sœurs, soyons bien armés et soyons et veillons. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, veillez et priez. Veillez et priez, c'est maintenant que nous comprenons tout son sens. Le diable travaille 24 heures sur 24 contre votre âme, contre votre vie. Et vous, vous ne devez pas dormir. Vous devez savoir toutes ces choses. C'est pourquoi Nyan Sribor est né, afin que vous ayez les yeux bien ouverts. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait sur cette vidéo. Active la cloche. Regarde les vidéos qui ont déjà été traitées et les vidéos qui vont s'afficher sur l'écran pour que tu parviennes à la connaissance de beaucoup de choses que tu ignores. Parce que c'est l'ignorance qui tue. Il faut que tu parviennes à la connaissance donc pour être sauvé et sauver ton âme. Lorsque bon, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va sans doute t'aider dans la vie. Ah mon frère, ma soeur, nous sommes en guerre. Et cela déjà se constate au travers des lois, des mauvaises lois que les gens votent aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps. Abonne-toi si tu es bon. Active la cloche pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt pour la toute prochaine vidéo. Nous sommes bon.